Beau matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver et bien pour une nouvelle semaine. Nous entamons la deuxième semaine de ce mois de septembre. Nous sommes lundi 9 septembre 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé un joli week-end. Eh bien, on va continuer avec l'oracle, ce magnifique oracle, la forêt de Gaïa. C'est un guide vraiment précieux. Il nous encourage, cet oracle, tout simplement, à nous connecter à notre intuition et à écouter cette petite voix de la nature afin que nous puissions développer nos facultés intuitives. Il nous invite ainsi à puiser dans notre sagesse intérieure et il nous rappelle que chaque être humain détient en lui, eh bien, une connaissance innée, cette petite voix intérieure qui peut nous guider vers des décisions éclairées. Certaines cartes, pourront avoir des réponses, pourront nous offrir des réponses claires et directes, tandis que d'autres, elles nous demanderont de nous plonger dans les profondeurs de notre être pour trouver les réponses, que nous cherchons en fait. Mais avant, nous allons commencer avec la petite philosophie du matin. Et pour ce 9 septembre, quand il est trop tard. Combien de couples réalisent tardivement qu'ils ne sont pas dit l'essentiel, ne sont pas écoutés ou pas compris et que ce manque de communication a généré des malentendus irréparables. Quand on se retrouve au bord du divorce, il est souvent trop tard pour promettre que l'on va changer et faire des efforts. C'était avant qu'il fallait y penser. Ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres, mais c'est une belle pensée pour ce matin quand il est trop tard. Donc avant qu'il ne soit trop tard, faites en sorte de communiquer. C'est tellement important, la communication. Et on terminera, j'ai oublié de vous dire, on terminera avec le petit oracle des anges gardiens. Aujourd'hui, j'ai pigé la pièce. N'oubliez pas de poser votre question à voix haute ou à voix basse. La pièce, elle évoque la valeur matérielle, l'échange et la prospérité. En elle réside le symbole des décisions que vous prenez et des choix financiers que vous faites. La pièce est un emblème de chance et de destin. Elle mettra à l'épreuve votre éthique et vos principes. Alors bon, quand on voit la pièce, quand on dit la pièce, c'est l'argent, ça peut être, la pièce peut représenter l'équilibre, la pièce peut représenter aussi une dualité, une décision, ça peut représenter aussi l'abondance, n'est-ce pas, puisque c'est une pièce d'argent. La pièce argent. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des opportunités qui vont venir à vous pour améliorer de manière nette vos finances personnelles. La pièce, elle vous encourage à prendre des décisions. Des décisions éclairées et à considérer les conséquences financières de vos actions. Il faudrait que vous soyez conscient, n'est-ce pas, de la valeur des choses, de l'importance
encore une fois de l'abondance et de la nécessité de trouver un juste équilibre dans la gestion de vos ressources. Par contre, elle peut aussi vous incite à chercher l'harmonie entre les aspects matériels et spirituels. Il faudrait, pour certains d'entre vous, que vous trouviez un équilibre. Il faut trouver cet équilibre qui semble être une priorité ici présentement pour vous. Cette pièce, elle vous encourage à évaluer vos choix, à évoluer vos choix et vos options en incluant la gratitude pour ce qui est déjà présent dans votre vie. Alors, il y a la pratique de l'alignement avec vos valeurs financières et la visualisation positive de l'abondance à venir. Donc, trouver un équilibre, n'est-ce pas? Chercher à avoir une belle harmonie entre, oui, le matériel et le spirituel. Tout est une question d'équilibre, n'est-ce pas? Cette pièce, elle peut aussi représenter des blocages ou des obstacles qui entravent la manifestation de l'objet de la question. Si maintenant, vous avez posé votre question, eh bien, la réponse est non. Donc, cette pièce veut dire qu'il y a un blocage, qu'il y a des obstacles qui entravent le bon déroulement de ce que vous vivez présentement, de la manifestation de l'objet de la question. Quel est l'objet de la question? Vous seul le savez, puisque c'est vous qui posez la question, donc ça pourrait représenter des blocages et des obstacles. D'où il serait intéressant de bien harmoniser l'aspect matériel et spirituel. Essayez de trouver un équilibre. Qu'est-ce qui peut bloquer ce que vous voulez faire présentement? Qu'est-ce qui bloque? Avez-vous des doutes? Vous n'avez peut-être pas assez d'éléments et c'est pour ça que ça bloque. Peut-être demander conseil. Ça ne serait pas plus mal non plus à une personne évidemment compétente, n'est-ce pas? Eh bien voilà pour cette guidance intemporelle. Et je termine avec le petit oracle des anges gardiens et aujourd'hui, ange gardien. Aie confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. Eh bien, c'est un beau message de votre ange gardien. Donc, ce que vous vivez présentement avec cette pièce, n'est-ce pas? Eh bien, c'est peut-être aussi un manque de confiance en vous, le blocage. Peut-être que vous êtes aussi trop impatient. Et là, le message de votre ange gardien, il vient vous dire « Aie confiance, sois patient. » Quelle belle synchronicité avec cette carte. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse et je vous dis à demain.